a qu'à rappeler que moi et Alex Bando avons jamais mangé à Sifaya Banane et Vedzecter à Gaudel. Moi et Alex Bando avons jamais bien Vedzecter à Gaudel. T'as la gueule là. Et Alain Moss témoin, enlevé à nos réunions, et on dit, mis senti, moi, fous mon bien. Puisque on pas senti qu'on peut dominer moi. Fous mon bien. Ça veut dire nous pour jean bien. Mais que monsieur maintenant, qui a vu nommer non, mais alors que monsieur directeur Gardel a dans un cas de divorce en France, il y a une femme ici qui casse vivant en Martinique. Et les femmes là qui viennent dans Guadeloupe, la femme là qui a dormi à cas monsieur maintenant. Tellement yo bien. Et on a invité monsieur qui a ben un jour de réinviter monsieur maintenant ici dans. Et de l'inviter moi aussi. Oui. Oui. À ce moment-là, nous sommes jeunes, mais on est en salle là, d'autres jeunes encore, qui travaillent. Et là, nous rendons nous compte, mes chers amis. Et nous pas dit, nous sommes effectivement petit à petit, parce qu'elles ont vrai tout à l'heure, en tout cas, faisons compter les audios. En tout cas, faisons compter qu'à monsieur Trèfle, qu'à parler avec les amis à lui, qu'il a compris que ses amis à lui. Parce que nous avons effectivement ni ces documents-là, ça, et ces audios-là, ça. Mais nous savons aussi, mes chers amis, que distribution véritablement qu'a faite pour nous avoir sur le terrain. Et nous avons effectivement des gens qui n'y marrent, des politiques-là, ça. Mais je là, en fait, je pense qu'on n'y a des documents, on n'y a effectivement des enregistrements, eh bien, qui a prouvé qu'il faut nous arrêter ce système-là, ça. Il faut nous arrêter ce système-là, ça, parce que nous n'y marrent. Alors, je là, ils ont décidé effectivement de dire, Cyril, que comme on y écoutait bien, on y 15 hectares terrain, eh bien, nous pas avoir 3 hectares terrain là ça. Alors, qu'est-ce qui a passé vraiment, mes chers amis, c'est que 3 hectares terrain là ça, c'est des terrains que Cyril a travaillé. Et mes hectares terrain là, dit Cyril, ils ont quand même 20 terrain là-bas, comme Cyril a expliqué. Et très vin di bouga kon sa, men lese yo vann li ba mwen, e anke ba ou li apriye. Donc bouga fè yi konfians. Bouga fè yi konfians. E ben jod la, bouga ka touve le mwayen, tref ka touve le mwayen, de pran tere la, e ou liye kè yi ba Cyril li, ma kè yi ma jizot pou kè yi pa ba Cyril li. Nou pou ve dizot sa, men nou ke fon dokumen, e nou ke fèktiveman fè un certain nombre de elements pour que mon pessal fonctionnement à ce métier. Et c'est pour ça que nous avons passé. Nous rencontrons les élus l'autre jour. Jodhla, nous avons rencontré le conseil départemental. Nous avons rencontré effectivement le conseil régional. Mais Jodhla, nous ne pouvons pas consacrer pas ni pour monde qui satisfait le travail là qui a fait à la SAPE ou la Jodhla. Et Jodhla, nous avons consacré nous n'y marrons. Nous n'y marrons que la réforme là qui doit être faite là et les raisons qu'ils ont mis la SAPE ou là, eh bien, il n'y a pas qu'à respecter. Alors, en disant qu'on s'est mis président à la Chambre, nous n'y Alex Bando parce que nous pouvons effectivement arrêter, porter force au Sibaï parce que c'est un jeune qui aimait sa café, qui aimait la l'agriculture. Et il aimait la l'agriculture. Mais jeune Alex, c'est un jeune bourreau. Alors, c'est quand même un Alex. Parce que si on trouve ça qu'on parle jeune, ça veut dire que c'est meilleur. Donc nous avons dit qu'elles sont jeunes mots qui aimaient la critique, qui aimaient ça et qu'a fait. Et j'en ai bien entendu, le président a un syndicat qui a appris l'UDECAD, l'UPJ, parce qu'il était président aussi à l'UDECAD, mais j'en ai continué de travailler parce qu'il a montré le monde que le travail c'est ça. Donc voilà mes chers amis, et nous avons jeune là ça, Cyril, qui là qui travaille, et j'en ai en fait compte, nous avons président là qui là, et nous avons M. Boss qui là, qui prend responsabilité à lui. Et c'est ça que nous faisons en Guadeloupe, les hommes. C'est mon agrène. Il n'y a pas de monde qui a venu cacher derrière monde. Il n'y a pas de monde qui a venu effectivement tout le temps en bataille. Et bien, dit comme ça que, il n'y a tantôt pas là, tantôt pas là. C'est mon qui là, qui a parlé tout le monde. Mais là, on a fait une bêtise, qu'il y a dit, on a fait une bêtise. Et c'est ça que nous faisons en Guadeloupe, les hommes. Là, il n'est pas bon. Il n'y a dit qu'il n'est pas bon. Donc, en tant que merci, en plus, il y a un micro là, puis un petit mot véritablement. Et bien, qui mission a yo, puis on peut présenter yo, et qu'a yo ka fè. Et après, ils ont posé question, parce qu'on vit qu'elles ont dit, qu'a yo ka passé. Les gens qui sont victimes de la saveur, qui ont souffert de situation là, on vit qu'elles ont pris Mikola pour parler aussi, pour dire ça. Alors, parce qu'on dit yo, surtout, on dit président Vin, il a pourtant, comme on a dit, des situations à fond, si l'angoisse. Et moi aussi, les hommes, nous n'évitons pour qu'on montre les autres
chef, monsieur président. Alors, faut nous savoir que nous avons dit président, mais il pas président. Hein? Monsieur président à la chambre d'agriculture. Mais trèfle à sa verbe, il PDG. Président, directeur, général. Ça veut dire qu'il n'y a pas de pour notre monde. C'est lui manger. Depuis ça. Voilà. Donc Alex Vando, ni de Monica Couté, ni des centaines de Monica d'internautes qui capotent, ils ne savent qui vous voyez, ils vont prier de tout côté, de tous côtés. Et voilà. Et en très content aussi que un mec nous capote, nous donne Monica Cadino. Alors, c'est Cisé. Alex Mandou, en secrétaire général à l'UPG depuis bon et bon année. Ça qui est dommage, ça veut dire pas ni relève. Mais effectivement, tu es président de l'UBCAG. Et actuellement, quand j'ai vu aussi, il y a une des plus grandes coopératives à Fri Légumes Guadeloupe qui s'est capable de bâtir. Et nous avons constaté quand même, concernant trèfle, nous avons dit qu'il y a réussi. C'est qu'il y a réussi, il est en train de réussir à faire l'unanimité contre lui. Alors, premier point de vue, c'est-à-dire qu'en fait, continuer à parler rapidement de la réforme, en bien rentrant tout le détail de la réforme, hein, rappelez que Patrick Sénin aussi, qui est petit démo aussi ça, mais si n'empêche, ni quelques années, ils ont mis à disposition à la SAFER, mais avec sous-gérance à la Chambre d'agriculture, un portefeuille foncier de 11 000 hectares. À 11 000 hectares, là, il y a à peu près 9 000 hectares qui distribués à travers du GFA, c'est toute la Guadeloupe. C'est une réforme foncière inachevée parce qu'il n'y a peu près encore 2000 hectares qui pas réellement attribués. Mais ça, 11000 hectares, c'est pas rien qui ça qui est foncier agricole. Nous n'avons pas considéré aujourd'hui là qu'il y a à peu près 30 ou 32000 hectares qui en service à l'agriculture. Mais il y a encore davantage de encore puisque NITEC qui a situé aujourd'hui la situation à la division familiale. Et là, il y a un grand danger parce que j'ai l'occasion de dire ça incident, mais pas ni longtemps, en bas en présidence à Mambou et certains, ils font un inventaire à terre, qui est une terre inculte, donc insuffisamment cultivée, et ils ont tablé aussi à peu près 10 000 hectares. C'est conséquent. C'est un lot dans le cadre de l'indivision familiale. Mais là où ça est vicieux, c'est que parallèlement à l'inventaire là, ça, l'État, à travers la DAF, la direction de l'agriculture, ils ont créé une structure, ils ont créé le schéma de contrôle des structures, qui normalement, qu'il n'y ait pas possibilité de mettre des candidats face à des candidats, quel que soit ce que tu l'as mettre. Et comme nous, j'avais pas choisi candidat, il y a tout qui a été posté à responsabilité en Guadeloupe, nous n'avons pas risqué de voir l'autre italien, l'autre espagnol, l'autre français postuler et peut-être avantager pour qu'il y ait installé une cité à famille en nous. Donc, combat n'est pas arrêté. Concernant la SAFER, nous tous confrontés, par une pétition municipale qui n'est pas confrontée à la SAFER, puisque effectivement, à la SAFER, nous avons le droit, c'est le droit de préemption, et effectivement, chaque frontière avant, eh bien, il a la capacité de préempter. Et très souvent, il préemptait, très souvent, il achetait, effectivement. Et après, malheureusement, on est un président omnipotent, c'est le seul cette SAFER de France qui n'est pas PDG. C'est le seul affaire de France qui n'ont pas PDG. Et ils ont omnipotent essayé de décider. Je vais prendre un exemple simple. On peut citer Moulin, parce qu'il n'est pas autorisé à faire. Mais à l'occasion d'intervenir, si on sait que la SAFER vient estimer à Sainte-Rose, à Béron, et là, quand ça a même levé, trèfle annoncé Moulin, 80 000 euros. Et il a dit, comme on a plusieurs fois, on peut séparer après. Et moi, là, intervenant, on dit qu'on a visité de là. Les nous visités là, en l'espace de 1/2 visite, puis ça prend grand terrain, eh bien, on n'a pas vrai passer devant une commission, et il dit, bon, regardez, on va baisser à 40 000 euros. Mais c'est ça qui fonctionne à M. Trèfle. Mais le rapport de force, j'ai fait Trèfle ma charrette. À Sainte-Rose, toujours, à Barrette, précisément, l'UPG est installé en série des mounes. Sur le terrain, depuis la mort jusqu'à Pont-Moustique. Et assis des lots de demi-hectare à peu près. Non, de 2 hectares. Et après, ça n'a pas rentré dans le cadre de la réforme foncière. Là, ça fait tous les propriétaires, etc.
Et donc, les voix ont tonton de Kapati, ils tenaient un neveu qui était travaillé avec. Ils privaient les JNV là. Et donc, là, ça fait balayer les neveux là dans le revers de main. Et puis, ils installaient un monnaie qui sont dans cette rose, qui est droité aussi, qui d'ailleurs prendre son responsable syndical, son bon mon ami, M. Célin. Et moi, en tant que responsable syndical, on dit Timan, on est droité, nous sommes Guadeloupéens, nous sommes 7 rosiens. Donc, ils devaient installer, mais on peut installer là. Et effectivement, ça fait un long remous. Si vous regardez Patin et moi, il commence à faire un petit point. Et de 2 hectares que vous avez fait, vous avez fait là, en gain d'apport de force, vous avez 13 hectares. Vous avez installé 13 hectares. Et les deux installés, puisque l'autre là aussi, il y a postulé à Sion Lou, réforme foncière, qui était juste en face, l'autre côté à la rue là. Ils ont installé effectivement si on voulait assez important d'être. Ça veut dire que nous n'avons pas de combat à gagner. Donc, quand on apprend qu'à isoler, c'est pratique, amitié trèfle, c'est comme ça qu'il a fonctionné. Et donc, moi, je vous dis là, c'est vrai, un homme qui a représenté le syndicat moi, en commission technique. En libre de dire qu'il n'a pas joué au relais, puisque son dossier n'a pas remonté au niveau du conseil syndical à l'UPG. C'est vous qui criez moi tout pendant entre l'hôpital. Qui expose mon problème là. Et donc, Jordi a décidé que, en cas de mettre moi à côté à vous, moi, secrétaire général de l'UPG, ça veut dire que, en plus, fait, quand on monte à qui dit, vous êtes là, vous ne pouvez pas parler, mais c'est presque ça qui dit, là, vous ne pouvez pas parler. Dorénavant, c'est moi qui vais monter ensemble. Et puis, ça qui est intéressant dans ça, c'est des vraies implications à la Chambre d'agriculture, implication à le MODEF, qui est le syndicat. À président à la Chambre. C'est implication aussi en courant FDSEA, parce que la FDSEA, c'est moins 4 ou 5 FDSEA. Mais nous avons un courant FDSEA qui est capable de montrer effectivement qu'il y a du courage, qu'il peut faire des bitins. Et après, nous dit Alain Moss, merci en pile, parce que Alain Moss n'a pas connaître qui m'en a eu, il n'a pas savoir qui m'en a eu, Alain Moss, l'occasion, vu les prendre de l'autre côté. Mais les réaliser dans les ça, négociation de mener en canne et attitude en de négociation là, à l'annoncer de défendre plus que tout le monde. Il a dit merci pour ça. Et d'ailleurs, pour avoir profité de Bicoula avant de passer Bicoula, moi j'ai dit ici dans que nos timiciens qui viennent parler de moi ici dans. Timicien là, ça, c'est le président de l'UDECAG. Mais c'est Ménard, la cité. Apprendre qu'il vient nommer nos moi ici dans. A quand rappeler que moi, Alex Mandouan, où j'ai mangé, à Sifaya Banane, et 20 hectares à Gaudel. Moi, Alex Mandouan, où j'ai bien 20 hectares à Gaudel. T'as la guille là. Et Alain Moss, témoin, enlevé à nos réunions, et on dit, mis sentir, moi, fous mon bien. Puisqu'on n'a pas senti qu'on peut dominer moi. Fous mon bien. Ça veut dire que nous, j'ai bien. Mais que mis séminaire, t'as vu nommer non, mais alors que. Monsieur directeur Gardel a dans un cas de divorce en France, il y a une femme ici qui a survécu en Martinique. Et les femmes qui sont venues en Guadeloupe, les femmes qui ont dormi à Monsieur Ménard. Tellement yo bien. Et il a invité Monsieur qui a ben un jour de réinviter Monsieur Ménard ici dans et de l'inviter moi aussi. Oui. Oui. Alors. C'est ça mon adren, c'est ça qui est nouveau, effectivement, qui est un petit Guadeloupe en Assemblée. Monde qui est capable véritablement, quand même aussi, à l'intervention, parce qu'il faut être capable de regarder nos yeux, de dire non, laisse ça caille, laisse ça caille.